Salut à tous! Comme vous avez pu le voir, j'ai eu un petit moment d'absence. Tout petit de 2 semaines. Parce que, tout simplement, je n'avais pas le temps de vous tourner une vidéo avec les grèves et les incertitudes face à mes examens. Comment vous dire que j'avais pas la tête à tourner? Pas la tête et pas le temps. Et je vous avais également prévenu qu'à partir de janvier, le rythme des vidéos va changer et ça va être quand je voudrais, je posterai une vidéo, tout simplement parce que je ne peux pas connaître mon emploi du temps à l'avance avec ma recherche de stage qui va logiquement amener à un stage, mon mémoire, mes partiels, tout ça. Voilà, c'était le moment chiant de la vidéo, c'est parti pour la suite. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler d'un livre et d'une série. Pourquoi les deux ensemble ? Tout simplement parce qu'ils sont en lien et que je me voyais pas vous faire 2 vidéos sur le même sujet. Ça serait débile et un peu long. Donc je vais vous mettre un timer, juste en barre d'infos, où vous trouverez le moment où je parle du livre et le moment où je parle de la série, et ensuite, à la fin, le moment où je compare les deux. Je vous avais déjà parlé dans une ancienne vidéo du tome 1 de Caroline Kepnes, Parfaite. Nous allons parler des corps cachés de Caroline Kepnes et de l'autre côté, You, saison 2. Et oui, les deux sont intimement liés puisque Caroline Kepnes est la personne qui a donné vie au personnage de Joe Goldberg. Bien avant Netflix, je vous avais déjà parlé du tome 1 de Caroline Kepnes, Parfaite, et aujourd'hui on va parler du tome 2, Les Corps Cachés, sorti en juin 2019 aux éditions Calman Levy. L'histoire du tome 2 est la suivante. Joe Goldberg est un libraire et serial killer malgré lui. À la recherche du grand amour, il pensait l'avoir trouvé dans les bras de Guinevere Beck, mais ça a un peu dérapé. Ensuite, il pensait l'avoir trouvé dans les bras de Amy Adams, mais en fait, elle était juste là pour le voler. D'ailleurs, voulant se venger de Amy Adams, il décide donc de la suivre jusqu'à Los Angeles pour pouvoir l'assassiner. Il ne se doutait pas là-bas qu'il tomberait sur la jolie Love Queen. La meuf s'appelle littéralement Amour en anglais. Moi, je dis ça, je dis rien. Refusant de perdre la femme parfaite qu'il vient de trouver, il décide donc de devenir l'homme parfait. Sauf que vous connaissez Joe, et chassé le naturel, il revient au galop. Si j'avais été complètement conquise par le tome 1 parfaite, eh bien je peux vous dire que c'est pas le cas du tome 2. Ah, on est sur une déception, oui, oui, oui. Je ne sais pas si c'est le fait que ça se passait à Los Angeles, mais cette superficialité ambiante m'a énormément gênée. Attention, je dis pas que Los Angeles est une ville hyper superficielle, je dis simplement que l'auteur l'a transformée en ville hyper superficielle. J'aimais la simplicité de l'environnement de Joe. Très peu d'amis, travaillant dans une jolie petite librairie, avec un appartement simple, une vie qui semblait basique et qui cachait en fait un tueur, et un garçon rongé par le manque affectif, le besoin de contrôler tout ce que fait sa petite amie. Ah, le mec est devenu un espion hors pair et un tueur torturé. Et tout ça était caché derrière son image de Monsieur Tout-le-Monde. Dans ce tome, je me retrouve avec un Joe Goldberg qui tombe très rapidement dans le strass et les paillettes. Une amoureuse superficielle, une famille qui l'est encore plus, rendez-moi Joe Goldberg. L'environnement simple et lisse de Joe me manque. Là, je suis tombée dans une histoire où 80% du temps, c'est des descriptions de villas dont on n'a rien à faire, des descriptions de gens dont on n'a rien à faire, et des petites chamailleries de starlettes qui ne nous intéressent absolument pas. Clairement, le côté tape à l'œil et descriptif, j'avais l'impression que c'était pour combler le vide de l'histoire. Moi, c'est le côté vengeance qui m'avait attirée en fait. Ce que j'aimais chez ce personnage, c'est qu'il cherchait, il espionnait, il avait une manière de retourner les choses à son avantage qui était juste incroyable. Du moment où Joe rencontre Love, bah là tu entres dans un univers froufrou, paillettes, strass, immonde, juste nul. On rentre dans la mondanité et dans le sexe. Ah oui, parce que ça y a du cul, hein, du cul, du cul, du cul. Mais à un moment, trop de cul tue le cul. Le début était palpitant, mais du moment où Joe pose le pied à Los Angeles, ennui mortel. J'avais mis vraiment très peu de temps à lire le premier tome, autant vous dire que j'ai mis 2 mois à lire celui-là. Ça sent pas bon. Les seuls moments qui sont intéressants, c'est quand il prévoit des meurtres. Et je peux vous dire que sur 400 pages, il en prévoit tellement pas assez pour que ça devienne intéressant. Le moment où mon cœur s'est enfin emballé, c'est quand il a commencé à faire allusion au tome 1
Et là, je savais que ça allait devenir intéressant. Je savais concrètement que son passé était en train de le rattraper. Et ça, c'était de l'action, enfin ! Quelque chose qui valait le coup. Il n'y a que à partir des trois quarts du livre qu'il y a enfin du rythme qui arrive, quoi. L'affaire Peach Salinger se rouvre, une de ses premières victimes, là où il avait laissé sa tasse d'urine. On ne sait pas comment il peut se sortir de cette affaire, on n'en sait rien, mais en tout cas ça sent la merde. Et d'ailleurs, Joe va commencer à faire des erreurs, disons, fatales. Je vais pas vous mentir, même si Joe essaye de changer, le naturel revient toujours au galop, et ça restera un tueur, je pense, à travers les autres tomes qui arriveront. Heureusement, ce livre a été sauvé par une fin, mais juste incroyable, improbable. Là, il y a eu du rebondissement. J'aurais aimé que tout le livre soit fait de rebondissements, pas juste les dernières pages. On comprend rapidement que Love et sa famille ne sont pas aussi clean qu'on le pense, hein, et en particulier son frère, jumeau, Forty. D'ailleurs, on peut dire que Joe va devoir se frotter à plus fou que lui. L'écriture de Caroline Kepnes nous transporte toujours autant, et je pense que l'histoire de Joe risque d'être encore pleine de surprises. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas la dernière fois qu'on va entendre parler de Joe Goldberg. Et peut-être même que cette fois-ci, il ne sera pas seul. Maintenant, attaquons-nous à la saison 2 de You, sortie le 26 novembre 2019 sur Netflix. C'est le retour du psychopathe le plus aimé de la plateforme et autant vous dire que cette saison a continué de conquérir le cœur des adeptes, dont moi. Je vais vous faire un petit résumé, mais rassurez-vous, ce n'est absolument pas le même que vous avez entendu juste avant. Parce qu'en fait, la saison 2 ne suit pas du tout le livre. Joe Goldberg décide de quitter New York lorsqu'un fantôme de son passé réapparaît pour faire de sa vie un cauchemar. Déterminé à fuir ce fantôme, il décide donc de s'installer à Los Angeles, une ville qu'il n'affectionne pas vraiment, et avec cette nouvelle vie, une nouvelle identité. Là-bas, il va tomber amoureux de la jolie Love Queen, mais voilà, il ne peut pas l'espionner comme il le faisait avec ses ex-conquêtes pour la simple et bonne raison que tous ses réseaux sont fermés. Et oui, Love ne montre pas sa vie à tout le monde. Joe tient pourtant à conquérir la jeune femme et va tout faire pour gagner son cœur en devenant l'homme idéal. Mais comme je l'ai dit, chassé le naturel, il revient au galop, Joe Goldberg reste Joe Goldberg. Personnellement, j'ai trouvé que la série avait sauvé le personnage de Joe Goldberg, m'étant ennuyée en lisant le livre, j'avais très peur pour cette nouvelle saison et heureusement, Netflix a répondu à mes attentes. La série a su renouveler le concept sans lui donner un goût de déjà vu, et ça c'est cool. Les actrices et les acteurs étaient juste incroyables, j'avais des frissons tellement c'était réaliste, et c'est vraiment un casting de choix pour une des saisons les plus tordues que j'ai jamais vues. Je trouve que le personnage de Love est plus authentique que celui de Beck. Elle est plus chaleureuse, plus surprenante. Pour le personnage de Joe, eh bien tout simplement, il reste le même, hein, tordu, dangereusement attachant, calculateur, Joe Goldberg. Et j'avoue être totalement fan de cette voix off qui nous permet d'entrer dans les pensées du personnage principal, d'entrer dans les pensées du psychopathe. J'ai apprécié qu'on ne retrouve pas vraiment ce côté strass et paillettes qu'il y avait dans le roman. On va pas se mentir, on reste plutôt dans un univers simple et cocooning, moi c'est l'univers qui me convient. L'univers du livre me paraissait trop luxueux, trop superficiel pour que je puisse vraiment entrer dans l'histoire. Et c'est totalement l'opposé de ce qui s'est passé dans la série. Alors oui, dans la série, il y a des magasins bio, ça reste une ville un peu bobo, à la mode. Mais il y a aussi des moments où le personnage était dans des environnements simples et calmes, qui correspondent finalement à Joe Goldberg. La série a su me surprendre, et en particulier pour les trois derniers épisodes. D'ailleurs, on sait d'avance qu'il y aura une saison 3. Mais la série nous laisse quand même avec des zones d'ombre. Là où le livre ne nous laisse pas dans cette ombre, justement. Est-ce qu'on peut me dire où est passée cette fucking tasse d'urine qu'il a laissée chez Peach Salinger, une de ses victimes? Non, parce qu'en fait, ce petit détail, ça peut le foutre en prison. Mais la série est totalement passée à côté de ce détail. Elle doit être évoquée une fois dans la série, c'est tout. Ah bah on a laissé tomber l'affaire Peach, sauf que non, on veut savoir
qu'est-ce qui va advenir de cette tasse d'urine qu'il a laissée sur la scène de crime? Et une autre question qui me trotte dans la tête, il est devenu quoi, Paco? Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la série, Joe avait un petit voisin qui s'appelait Paco. Et Paco, il a vu tout ce que Joe a fait avec. Il a vu la cage en verre. Mais il est où, Paco? Résumons la situation. Joe a donc laissé derrière lui une tasse d'urine, preuve qu'il était sur la scène de crime alors qu'il n'avait rien à y faire, et un témoin. Peut-être qu'il est jeune, mais il a tout compris, Paco. Ça me laisse un peu perplexe et je me dis que peut-être dans la saison 3, ils pourront me dire ce qui est advenu de cette tasse et de Paco. D'ailleurs, en parlant de Paco, lui n'a jamais été dans le livre, mais le personnage de Ellie, qui est dans cette saison 2, n'a jamais existé non plus. Je ne sais pas pourquoi les auteurs de la série décident d'ajouter des jeunes, parce que dans les livres, il n'y a aucun jeune. Peut-être pour ajouter un côté un peu dramatique, je suppose. Oui, parce que dans le livre, Delilah, qui est un peu la gérante des appartements où vit Joe, n'a pas de sœur. D'ailleurs, dans le livre, Delilah a un peu la réputation de s'être tapée tout Los Angeles. Autant vous dire que c'est pas du tout le personnage qui a été dressé par Netflix. Ah, dans Netflix, Delilah, elle est journaliste impitoyable. Bon, l'autre aussi, elle est journaliste impitoyable, mais moins que celle de Netflix. Elle ne couche pas avec n'importe qui non plus. Elle est indépendante, forte, elle s'occupe seule de sa petite sœur. Enfin, ils ont fait une Delilah incroyable. D'ailleurs, on va pas se mentir, les personnages qui ont été faits par Netflix et ceux de Caroline Kepnes ne sont pas du tout les mêmes. Mais pas du tout. Le personnage de Love, par exemple, ne ressemble pas vraiment au personnage de la série. Dans le livre, elle est beaucoup plus superficielle, elle aime montrer son argent, elle aime montrer qu'elle est dans un milieu mondain. Bref, elle est extrêmement chiante et énervante. Le seul, peut-être, qui ressemble un peu à son personnage, c'est Forty. Quoique dans le roman, Forty est 30 fois plus sombre que dans la série. Le côté sombre de Forty aurait pu ajouter un petit cachet à la série. Mais bon, visiblement, ils n'ont pas voulu d'un Forty qui soit vraiment aussi cinglé que Joe. Non, ils nous ont mis un Forty qui est très, très superficiel et qui n'a pas vraiment, comment dirais-je, de plans farfelus dans la tête, d'idées vraiment mauvaises. Hein. Forty est un peu l'innocence, si on veut. Ouais, non, il n'est pas l'innocence, c'est juste un gamin capricieux. Concrètement, la saison 2 n'a conservé que les noms des personnages et un lieu sur tous les lieux qu'avait mis Caroline Kepnes dans son roman. Los Angeles. Le roman et la série n'ont plus rien à voir. Ils n'ont même pas la même fin, ce qui fait que le livre va continuer de son côté et la série va continuer de l'autre. Dans l'histoire de base, il y a une Amy Adams. Il n'y a pas de fantôme du passé. Delilah, elle est pas respectée. Love, elle est superficielle au plus haut point, ne parlons même pas de Forty. Adieu les grandes villas, adieu le voyage à Las Vegas, adieu le voyage au Mexique. L'histoire dans la série reste à Los Angeles et à Navrin. Point. Les scénaristes de You ont finalement retiré tout ce qui m'horripilait dans le livre. Et je les en remercie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit l'endroit où on va retrouver Joe, l'histoire promet d'être pimentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, eh bien n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !